Salut et bienvenue dans ce tutoriel que je suis très contente de réaliser. Aujourd'hui, on va voir comment coller une image sur un mug en porcelaine et surtout que ça tient au lavage, dont on peut l'utiliser pour les déjeuners de tous les jours. On a besoin, naturellement, un mug en porcelaine, des photocopies imprimantes laser, les transferts d'images Transcryl, un vernis colle esprit porcelaine, un feutre toujours esprit pour cette utilisation et naturellement toujours les bricoles pour bien travailler. On va définir les photos qu'on va coller. Je vais proposer quelque chose pour la fête des papas. On va commencer à passer les produits pour plastifier les photos. Il faut faire au moins 4 couches et entre une couche et l'autre, laisser sécher 20 minutes. Seconde couche. J'essaie de le faire en diagonale. La troisième. Et la dernière et quatrième couche. Dans les doutes, faites une couche de plus que de moins, si vous avez oublié de bien compter. Après 24 heures, mes photos ils sont bien sèches et prêtes à être mouillées pour enlever les papiers derrière. Elle est bien transparente comme vous pouvez voir et on la laisse sécher sur les tissus à l'envers. On la pose jamais sur du papier car il peut se coller. Les photos ils sont prêtes, je vais bien les couper. Avant de commencer à coller, il faut prévoir la disposition des photos, bien lire, et on aura besoin en plus de pinceaux. Si vous l'avez en coton-tige, c'est très pratique pour nettoyer les bords. On procède comme du serviettage, ça veut dire qu'on mettra la colle sur le support avant et sur la photo après. C'est pour ça qu'on a besoin aussi le coton-tige pour nettoyer le surplus. J'enlève les traces de colle. Vous pouvez aussi les mouiller
pour mieux nettoyer. Il faut les faire tout de suite avant les séchages. Une fois bien sec, je vais passer une autre couche de produit. Comme ça, ma photo elle est bien protégée pendant le lavage des tasses. Il faut beaucoup appuyer pour avoir une marque. Avant de continuer, il faut laisser sécher bien cette partie. Et j'ai décidé de changer la fin de la phrase. Avec écrit à moi avec ma main. Il faut vraiment beaucoup appuyer avec les stylos. Après un jour de séchage, j'ai mis mon mug dans le four à froid. Je vais les mettre à 170 degrés et une fois que mon four il est assez chaud, je vais attendre 30 minutes. La cuisson elle est finie. Et on laisse le mug refroidir dedans. J'espère que cette idée ça vous a plu. Surtout à bientôt avec de nouvelles réalisations. Merci, ciao.